Alors voilà, vos applaudissements ont eu raison de toutes les résistances. Alors, c'est un peu la leçon qu'on peut tirer de l'expérience des peuples autochtones du Canada. Si on est entêté, si on est pacifique, et si on se fait entendre, on finit tranquillement par obtenir ce qu'on veut. Mais là, on va falloir que nous parlions encore un peu plus fort pour que ça aille juste un peu plus vite. Mais au moins, on peut dire aujourd'hui, en 2017, avec les changements qui s'en viennent, qu'on s'en va vers la bonne direction. Alors, parlant de direction, je laisse la direction d'orchestre à Katia McDissy-Warren et au groupe. Et saluons aussi Nina Segalovitz au chant de gorge qui nous amène ici la tradition inuite. Alors, Octo-Echo, Nina Segalovitz, nos tambours de Montréal, Off-Norat Singers.